manifestazione voluta dal presidente francese Emmanuel Macron ha portato in piazza milioni di persone da gennaio. On ne veut pas reculer l'âge de départ à la retraite. Elle est injuste parce qu'elle est brutale. On fait une mesure qui va condamner les personnes les plus pauvres. J'ai envie de profiter de mes petits-enfants. Cosa significa questa riforma per la Francia? Ma cosa significa per l'Europa? Ne parliamo su Euronews Witness. Coloratissima, la quarta mobilitazione a livello nazionale e la seconda in una sola settimana. Da oltre 10 anni la Francia non vedeva l'unità sindacale contro il governo. La riforma di Macron vuole portare l'età pensionabile da 62 a 64 anni. I sindacati intendono bloccare un testo che il governo potrebbe far applicare senza il voto del Parlamento. Le seul moyen qu'on trouve en France, c'est quand il manque de l'argent, c'est demander aux salariés de travailler plus longtemps. Il presidente del sindacato CFTC per la metallurgia nella regione lionese spiega che questa riforma penalizza chi lavora nei settori più pesanti. Il y a une vraie fracture sociale qui se fait entre les gens qui ont la santé et qui peuvent travailler plus longtemps sans aucun problème et ceux qui n'ont pas la santé, ils vont toucher la retraite. En moins, et on va leur dire officiellement, vous devez travailler plus longtemps et donc attendre d'avoir une retraite beaucoup plus tard pour toucher quelque chose. Mi rendo rapidamente conto, parlando con sindacalisti e manifestanti, che la profonda collera sociale provocata dalla riforma va ben oltre i 2 anni di lavoro in più richiesti. Richiama in causa i diritti delle donne, le condizioni di lavoro, i salari, l'inflazione. Les conditions de travail se sont dégradées. Le travail s'est intensifié parce qu'on a tiré sur les effectifs depuis longtemps. Et c'est pas normal d'arriver à la fin de sa carrière cassée. Le travail s'est fait pour vivre, pas pour être abîmé. Questo sentimento di ingiustizia aleggia sull'intero corteo. Resto colpita da Salim, 60 anni, corriere per una multinazionale americana. C'est très dur. Surtout à mon âge. Parce qu'en principe, à mon âge, on ne devrait pas faire de la livraison. C'est pénible pour le dos, c'est stressant, c'est fatigant, ça joue sur le moral. Con questa riforma il governo francese intende evitare l'aumento del deficit e prospetta l'ingresso di oltre 17 miliardi di euro entro il 2030. A fine febbraio il presidente Macron è tornato tra la gente. In un mercato vicino a Parigi ha ribadito l'ovvietà del lavorare più a lungo. Tout le monde a du bon sens dans notre pays. Ma c'est pas compliqué de se dire que quand on regarde on a moins d'actifs qu'il y a 20 ans, on a plus de retraités et on vit plus longtemps. Donc c'est pas vrai de dire qu'on peut garder les mêmes âges, ça marche pas cette affaire. Effettivamente l'aspettativa di vita nell'Unione Europea è in costante aumento da tempo. Covid a parte, in Francia è di 83 anni per le donne e 77 per gli uomini, 2 anni sopra la media europea. I critici della riforma pensionistica francese fanno però notare che l'aspettativa di vita in buona salute in Francia è di 65 anni per le donne e 63 per gli uomini. Tutte le persone con cui ho parlato rivendicano il diritto di vivere la loro pensione in buona salute. Lontano dal brusio della manifestazione di Lione, incontro il corriere Salim. Déjà que c'est difficile, on essaye de tenir le coup, mais avec cette loi qui nous demande encore plus, c'est inacceptable. Salim mi dice che lavora più ore e con richieste sempre più pressanti. La cadence augmente, mais le corps ne suit pas. D'où la difficulté de travailler jusqu'à 60 ans et plus.
On ne nous demande pas seulement de travailler plus pour combler le déficit de la sécurité sociale, on nous demande de ne pas profiter de notre famille. C'est des comptables qui font des statistiques, il n'y a rien d'humain dans leurs calculs, il n'y a pas de sentiments, c'est des maths, c'est des calculs économiques et l'être humain, il est absent. Mi sposto a Parigi per capire meglio gli effetti di questa riforma. È davvero così ingiusta? Ed è realmente necessaria? Vado a caccia di risposte nella Facoltà di Scienze Politiche. Qui incontro un ricercatore, autore di un libro sulle riforme pensionistiche. La mesure qui a été retenue est celle qui permet de faire le plus d'économies le plus rapidement. Donc c'est d'abord un objectif économique et il est en partie motivé par les contraintes européennes. Est-ce que c'est une réforme vraiment nécessaire? Il y a clairement d'autres voies possibles. Il y a la solution retenue, faire travailler plus longtemps, donc ne pas verser de retraite et continuer de recevoir les cotisations. Mais il y avait aussi la possibilité de faire cotiser plus longtemps les gens. Il y avait aussi la possibilité d'augmenter les cotisations sociales, payées par les employeurs, payées par les salariés. Mais ça, clairement, le gouvernement ne le souhaite pas, c'est un tabou pour lui. La riforma è in parte motivata dalle richieste europee per portare i deficit di bilancio in linea con i limiti stabiliti dall'Unione. Questo progetto intende inoltre allineare l'età pensionabile della Francia a quella degli altri paesi europei. In Germania si ha una pensione completa a 67 anni, lo stesso in Italia con almeno 20 anni di contributi. Nei Paesi Bassi e in Portogallo l'età pensionabile è di 66 anni, 65 in Spagna con almeno 37 anni di contributi, lo stesso in Svezia, Belgio, Austria e Croazia. In Europa non tutti capiscono perché i francesi siano così restii a questa riforma. Un Suédois ou un Allemand va dire « mais ils ne travaillent jamais, ils sont 35 heures, ils sont tout le temps en vacances ». Et en fait, c'est cette densification du travail. C'est-à-dire qu'il y a certes moins d'années travaillées, moins de gens en emploi, et du coup, ceux qui travaillent, ils travaillent plus dur. La productività oraria in Francia è tra le più alte d'Europa. Si produce di più in meno tempo, ma questo ha un costo. Troviamo esempi lampanti nelle professioni, per così dire, essenziali, come quella di Véronique, operatrice sociosanitaria da 36 anni. La incontro nell'ufficio sindacale dell'ospedale in cui lavora vicino a Parigi. Souvent, c'est les aides-soignantes, elles sont en arrêt. Longue maladie, invalidité, ça entraîne plein de pathologies. Je ne sais pas si le gouvernement va être gagnant à nous prolonger de 2 ans l'âge de départ à la retraite pour les soignants. Nell'Unione Europea la Francia è tra i paesi con il numero più alto di incidenti sul lavoro. Oltre la metà di quelli mortali colpisce gli over 50. Pendant le Covid, on a applaudi les soignants. Et là, avec cette réforme, on a vraiment l'impression qu'on est des nantis. Tout compte fait, non. Vous êtes capable de travailler 2 ans de plus. Moi, ça me révolte. Le donne sono in prima linea in questa protesta. Saranno tra le prime a dover lavorare ben oltre i 64 anni per avere una pensione decente. Cette retraite pénalisera aussi toutes les femmes qui ont des carrières en pointillé à cause des temps partiels, à cause des périodes de chômage, à cause des congés parentaux. Per Séverine, attivista per i diritti delle donne, si tratta di lottare per la giustizia sociale. Qui nous dit que si cette réforme passe, le projet ce sera pas ensuite 65, 66, 67, et puis ensuite de revenir sur les 35 heures, et de revenir sur les congés payés, et de mettre fin aux allocations chômage. Cette réforme d'Emmanuel Macron, elle ne va pas dans le sens de l'histoire. Elle est une mesure de régression sociale. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on s'aligne sur les pays qui, sur le plan social, font la pire politique? Non, inversons le regard. Questa riforma avrà probabilmente anche un costo politico. Il nostro esperto di politiche sociali afferma che le misure di austerità adottate in tutta Europa per ridurre i deficit hanno alimentato il malcontento che a sua volta favorisce l'ascesa dell'estrema destra.